commence avec le prince charmant. Ah oui, bonne nouvelle. Ouais, il existe vraiment, Charlotte. Hein. C'est un candidat des anges de la télé-réalité, ce prince charmant, ça commence bien. Et alors lui, c'est vraiment l'homme idéal avec un grand Y. Il écrit comme ça, lui. Quelle émission ? Et alors, croyez-moi, les anges. Ah oui, une belle émission. Et alors, sachez que ce jeune homme propose, garantit le bonheur aux jeunes filles qu'il rencontre. Il garantit encore plus que votre 8e ciel, Charlotte. Ah oui. Écoutez ce qu'il a promis à une jeune fille qui allait faire de l'avion avec lui. Et au final, on se rapproche de plus en plus de cet avion. Donc je me dis, c'est bizarre, on va faire de l'avion. C'est le petit avion. Je t'amène au 7e siècle. Je t'amène au 7e siècle. 7e siècle. Ouais, il va l'emmener au 7e siècle. C'est-à-dire que le gars, il n'avait pas un avion. Hein. C'est une machine à remonter le temps. Vrai, il s'est pris pour vous, en fait, Stéphane. Il voulait faire secret d'histoire. Viens, je t'emmène au 7e siècle. On lance 650. Très drôle. Ouais, il est très fort. Là. C'est déjà lui, la semaine dernière, lorsqu'il nous avait parlé de son ex avec qui il voulait avoir une nouvelle relation sexuelle, qui avait dit à son sujet, avec elle, j'aimerais enfoncer le clou, ce qui était déjà très chic. Ah oui. C'est vraiment un prince charmant. Et puis en plus, quel homme. Il est très téméraire. D'ailleurs, là, il va partir dans le désert australien. Enfin, dans le désert. Vous n'avez quand même pas cru qu'il allait dire ça sans faire de faute de français. Et là, j'entends Thibaut. Je dis quoi ? Je suis parti à la jungle, déjà, laisse-moi tranquille et tout. Et non, il me dit, j'ai bien entendu, donc c'est moi qui parle au désert aussi. C'est moi qui parle au désert aussi. Ce matin, il dit à son rendez-vous professionnel, donc bah, il me demande de l'accompagner avec lui. Ah bon ? Il te demande de l'accompagner avec lui. Bien sûr qu'il te demande pas plutôt de l'accompagner sans lui, non ? Moi, ça peut logique. Qu'il est parti juste après le fromage. Il est parti au désert. C'est ça. Mais bon, ne la contrarions pas, pour une fois qu'elle était de bonne humeur et qu'elle ne s'était pas levée du pied gauche, comme on dit. Il m'a dit, clairement que moi quand je me réveille avec le sourire, bah, les gens vont sourire la journée et que bah, depuis que je me réveille avec le pied gauche, bah, les gens se réveillent avec le pied gauche aussi dans la villa. Il faut le savoir, dans les anges de la télé-réalité, ils se réveillent tous avec le pied gauche. Alors j'explique la technique, en fait ça consiste à se gratter les yeux avec le pied gauche pour bien se réveiller. Il faut être assez souple. Mais après on est bien réveillé par contre. Hein. Oh. Ah là là. Puisqu'on parle de télé-réalité, vous avez connu ça ou presque ça, en tout cas Charlotte, il y a deux ans. Exagère ou quoi ? Ouais. Directrice de la Star Academy d'Energie 12. Une école au moins. Une école où vous avez entendu de bien belles voix. Surtout celle-ci, ça c'était ma favorite. C'était, je sais pas si vous en souvenez, sosie vocale parfaite de Jackie Sardou. Non mais ce matin il faisait froid. Pauline, c'est une meuf. Comme dit Juliette, en fait dans la vie t'as les suiveurs et t'as ceux qui suivent. Ah bah ouais. C'est comme t'as les fonceurs et t'as ceux qui foncent quoi. Hein, il y a une grande phrase aussi quand même. Hein. T'as les dragueurs et ceux qui draguent. Voilà, ça marche avec tout, c'est ça qui est bien. Ça marche. En tout cas, je pense qu'elle doit cartonner à Rungis avec cette voix, hein, parce que alors là, il est frais mon poisson. Week-end de joie à Guingamp. Oui, Guingamp qui a remporté la Coupe de France face à Rennes et les supporters des deux camps, eux par contre, visiblement, sont plutôt des coupes de champagne qu'ils ont remportées. Écoutez-les en interview sur les chaînes info, ils étaient dans un état, il y en a même un qui n'a même pas réussi à terminer sa phrase. Hein. C'est un attaque défense pour l'instant, hein, je pense que Guingamp... Ouais, 3-1 pour Guingamp. Hein, tous les chauvins, hein. Ok, non, je sais pas quoi dire. Moi, bon, allez, on va se tourner vers Vincent, le supporter NL. Je suis avec un supporter également, comment est-ce que vous vous sentez ce soir? 2 fois en 5 ans, j'ai niqué les Rennais, c'est formidable. Encore un peu de patience, Rennes-Paris, c'est un peu plus de 2 heures de trajet. La finale, on va ramener la coupe à la maison, et voilà. Très confiant pour ce soir, très confiant pour ce soir. D'accord, je serais moins confiant pour ton foie. Moins confiant pour ton foie quand même, parce qu'il était même pas 16 heures que le gars était tellement bourré, il risquait l'autocombustion quand même. Hein. Donc grosse ambiance. Et puis on va terminer avec toujours au chapitre sport. Une autre discipline après le foot, place maintenant à un spécialiste des courses canines. Ce candidat des 12 coups de midi sur TF1. Top ! Quelle race de chien est couramment utilisée en Angleterre pour participer à des courses de vitesse ? Bien sûr, des courses de Yorkshire. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est très impressionnant. Hein. Ça dure un certain temps. Ouais, ça c'est bon. Sinon, il y a les sauts de haies, les bassets aussi, c'est très impressionnant, je vous conseille. Et on termine. Non ? Eh ben on termine ici. Non, on termine par le Yorkshire. Vous avez raison. Avec le Yorkshire. Très bien. Au moment, faut terminer. Et ben, merci on va beaucoup, faire des courses de Yorkshire dans le studio.